nous présentons d'abord nos salutations les plus chaleureuses. Donc, pour aller très vite, comme vous l'aviez constaté précédemment, nous étions en train de développer quand même les fonctions du roman. On s'était juste arrêté sur le travail préalable et les créatifs, bien entendu. On avait réussi à expliquer un peu les fonctions du roman. On avait réussi à décrypter le sujet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire j'ai dit que la thèse, vous avez la fonction distractive, l'amiante, vous avez la fonction engagée. Et ici, la consigne est fermée, comme je l'ai dit tantôt dans mes vidéos, comme je l'avais dit dans mes vidéos précédentes. C'est-à-dire ici, elle est fermée, l'élève est obligé de sortir le grand jeu. Vous avez constaté que je n'ai pas énuméré la synthèse, ça dépend de vous. L'élève qui fait la synthèse, si la consigne est fermée, tant mieux. L'élève qui ne la fait pas, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour nous plonger au cœur de notre introduction, comme j'ai l'habitude de vous le dire, maintenant je sais que vous êtes des habitués. Alors sur l'introduction, quel que soit le genre que vous avez, poésie, roman, théâtre ou le roman pour ne pas dire la littérature, la forme ne change pas. Quel est ce qu'on appelle cette forme? Les élèves, il faut toujours respecter le chiffre 5. Alors, maintenant sur le chiffre 5, comme on a tendance à dire la révolution et les pédagogies, il faut situer le sujet, il faut l'annoncer, il faut le reformuler, il faut problématiser, il faut annoncer le format propre. Maintenant, pour attaquer la situation, vous l'avez compris, je ne vais pas m'attarder sur ça, sur la définition, vous savez que c'est interdit. L'élève peut dire, par exemple, en passant par le général ou particulier, l'essence et l'orientation des œuvres modestes suscitent un débat contradictoire au sein des milieux intellectuels. Alors, dans ce cas, après ça, l'élève confirme maintenant ce que dit l'auteur et rejette ce qu'on appelle l'autre aspect. Comment? Ainsi, si pour certains, vous regardez ici avec le pouvoir contraire, le romancier doit privilégier le domaine évasif. Pour d'autres, par contre, il doit prendre en charge les questions sociales que vous avez suivies à votre sujet. C'est sous ce rapport que s'inscrit le sujet suivant, vous reprenez le sujet. Autrement dit, vous regardez ici, un roman doit réveiller le lecteur sur la vie et ses réalités, ou au contraire, lui permettre d'éloigner du rêve. La problématique, un roman doit-il réellement permettre au lecteur d'échapper à la réalité? Maintenant, après ça, maintenant, l'élève élabore son plan. Ici, vous n'avez pas le choix. Même si dans les plans, la consigne améliorée, je dis souvent que le fait de reproduire la consigne est interdit. Mais aussi, ici, vous n'avez pas le choix parce que la consigne est fermée. Qu'est-ce qu'il faut dire? Regardez ici d'abord. Nous avons la thèse, le roman distractif. Nous avons l'amiante, le roman engagé. Ici, j'ai opté de ne pas faire la synthèse. Et on va y revenir dans nos prochaines vidéos. L'élève, qu'est-ce qu'il dira? Il fait la connexion entre la problématique et le plan. C'est la raison pour laquelle l'élève dira, pour répondre à une telle interrogation, notre analyse s'articulera autour des orientations suivantes. Ne dites pas d'abord, parce que si vous dites d'abord, il y a ensuite qui attend. Si vous dites ensuite, il y a l'enfer qui attend. Dans ce cadre, qu'est-ce qu'il faut dire si nous avons deux aspects? D'une part, nous expliquons l'idée selon laquelle le roman est distractif. D'autre part, nous prouvons sa dimension engagée et vous avez votre solution. Maintenant, qu'est-ce qui reste à l'élève maintenant? Le problème. Quel est le problème? Comment développer? Et les gars, pour développer, vous êtes obligés d'avoir des arguments sur le roman. Parce que si vous n'avez pas d'arguments, vous avez la meilleure introduction du monde, la meilleure introduction de la planète. Si vous avez un 5, je dirais que vous avez un marron qui s'appelle tant comme ça. Alors, ne tombez pas dans ce piège-là. C'est-à-dire qu'il faut impérativement avoir des arguments. Comment? Pour attaquer la thèse, c'est très simple. Il faut toujours être courtois dans la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant d'entrer dans une chambre, il faut frapper à la porte. Je vous nomme ce qu'on appelle la phrase introductive. Dans ce cas, l'élève qui dira, l'inspiration romanesque doit prendre en considération le domaine distractif, ou bien le domaine évasif, ou bien le domaine divertissant, ou bien le domaine plaisir. Maintenant, ça c'est la phrase introductive. Maintenant, vous dégagez par l'idée, vous entrez par l'idée maintenant. Quelle est l'idée? Ainsi, le romancier aide le lecteur à oublier les sujets de la vie, à évacuer le stress. Ça c'est votre idée. Maintenant, vous commencez à développer. Dans ce cas de figure, le romancier cherche à plonger son lecteur dans un monde sublime, dans un monde fabuleux, dans un monde extraordinaire. Alors, autrement dit, pour toujours connaître ce qu'on appelle l'argumentation, l'élève qui dira, autrement dit, le roman revêt ce qu'on appelle des vocations thérapeutiques. Qu'est-ce que la thérapie? Bien entendu, c'est la thérapie, c'est une chose qui soigne, c'est une chose qui soulage. Comment soigner? Comment soulager? Le roman aide ce qu'on appelle son lecteur à se débarrasser ce qu'on appelle du chagrin. Alors, après avoir argumenté, l'élève convoque maintenant une référence. Comme j'ai dit tantôt, dans mes vidéos présentes, bien entendu, c'est-à-dire, la référence peut être la citation ou bien elle peut être ce qu'on appelle un titre d'œuvre. Maintenant, dans ce cas de figure, si c'est une citation, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est dans ce contexte ou bien c'est dans cette logique que Guy Descartes déclare. Qu'est-ce qu'il dit?
le roman n'a pas à délivrer des messages, le roman c'est l'évasion. L'élève qui ne connaît pas Guy Descartes, forcément il connaît ce qu'on appelle Guy Descartes. Qu'est-ce qu'il dit? Le roman n'est que rêverie, le roman est la fenêtre par laquelle on s'évade. À défaut de ça, l'élève comprend ce qu'on appelle les œuvres romanistes. Par exemple, vous prenez le tour du monde en 4 jours. Maintenant, il faut expliquer pourquoi ça nous vient. Parce que l'histoire est imaginaire en autour du monde. Parce qu'il s'agit de ce qu'on appelle d'un personnage principal qui s'appelle Phileas Fox, qui avait parié avec ses amis, a réussi à faire le tour du monde en 4 jours. Maintenant, dans l'aventure, il a rencontré des difficultés, mais il fut aidé par son valet, son ami qui s'appelle Passepartout, et les deux ont réussi le tour du monde. Dans quel monde sommes-nous? Nous sommes ce qu'on appelle dans le monde fictif, nous sommes dans le monde distractif. Ça, c'est pour aider son lecteur à se débarrasser de ce qu'on appelle du chagrin, à évoquer ce qu'on appelle les problèmes de la vie. C'est la raison pour laquelle Montesquieu l'a dit, je n'ai jamais eu de chagrin pendant qu'une heure de lecture ne m'est dissipée. Alors, l'élève qui termine son premier paragraphe de la thèse, maintenant, il faut attaquer le deuxième paragraphe. J'ai l'habitude de le dire, il ne faut jamais déposer vos copies avec ce qu'on appelle un seul paragraphe dans une thèse et un seul paragraphe dans la mienne. Comprenez que ce n'est pas moi qui l'interdis, mais ce sont les règles de la dissertation qui l'interdisent. Alors, dans ce cas de figure, l'élève est obligé d'attaquer la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il faut dire? En outre, mais évitez la répétition. Il peut arriver que le romancier soit aussi animé par le désir d'aider son lecteur à se débarrasser définitivement des problèmes ce qu'on appelle de la vie quotidienne. Dans ce cas de figure, l'élève, qu'est-ce qu'il dit? Le roman devient ce qu'on appelle un passe-temps. Le roman devient un passe-temps. Qui sont les romans qui nous plongent ce qu'on appelle dans les passe-temps? Vous pouvez convoquer, par exemple, les romans de science-fiction, par exemple, parce que ça, c'est une imagination incarnée. Le roman de science-fiction que nous avons, Harry Potter, par exemple, de Joanna Rowling. Comment l'auteur nous a poussé quand même à faire ce qu'on appelle le passe-temps dans ce qu'on appelle le roman qui semble être le roman de science-fiction? Parce que Harry Potter a contourné plusieurs obstacles par le biais de quoi? Par le biais de la magie, par le biais de quoi? Par le biais de ce qu'on appelle de la sorcellerie. Si on dit la magie, si on dit la sorcellerie, on est complètement coupé ce qu'on appelle de la réalité. Maintenant, quel est l'objectif de la magie, comme je l'ai dit? Aider ce qu'on appelle son lecteur à oublier ce qu'on appelle les soucis. Le roman devient ce qu'on appelle un passe-temps. Ce sont les romans de science-fiction, ou bien ce qu'on appelle les romans de l'horreur, ou bien les romans merveilleux, ou bien les romans mythologiques. Dans les romans mythologiques, qu'est-ce qu'on a? Nous avons aussi la première romans de l'Église transcendante avec la femme Bible. Tantôt c'est une dame de 90 ans qui parle, tantôt c'est une Bible qui parle tout son temps à écraser ce qu'on appelle les chasseurs. Lorsque son fils est né, sur le temps, il est resté 11 ans sans marcher. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève au beau jour, il marche jusque derrière la maison, il arrache sa main, il vient le déposer devant la carte de sa mère. Dans quel monde sommes-nous? Comme j'ai dit, nous sommes ce qu'on appelle dans le roman évasif, le roman distractif ou bien le roman fictif. Maintenant, quand l'élève termine sa thèse, j'ai dégagé plusieurs références. J'ai dit, pour récapituler, Guy Descartes, le roman n'a pas à délivrer des messages, le roman c'est l'évasion. Julien Gracq, le roman n'est que rêve et sublimation. Julien Green, le roman est la fenêtre par laquelle on s'évade. Montesquieu, je n'ai jamais eu de chagrin pendant que l'écriture de médecine. Sur les œuvres, vous pouvez travailler sur Harry Potter de Joanna Cattelouli. Vous pouvez travailler, si vous voulez, sur, comment dire, sur la peau de l'épopement de l'écriture transcendante. Si vous voulez, vous pouvez travailler sur le tour du monde en 80 jours de Monsieur Joubert pour décider que ce qu'on appelle ça. Maintenant, dans ce cas de figure, l'élève, avant d'attaquer sa nuance, doit fermer la thèse par quoi une conclusion partielle. Et ainsi analyser l'œuvre romanesque de mode distractif. Maintenant, après avoir confirmé par la conclusion partielle, maintenant il est à déclencher ce qu'on appelle la nuance. Par quoi? Par ce qu'on appelle une phrase de transition. C'est-à-dire, l'élève peut dire, cependant, le roman ne peut-il pas être engagé? Première phrase. Deuxième phrase, l'élève peut passer par une phrase affirmative. Cependant, le roman peut être engagé. Ou bien, mais peut-on attester au roman une vocation engagée? C'est du pari au même. Maintenant, après avoir dit cependant, le roman ne peut-il pas être engagé? Très rapidement, rappelez-vous de ce que j'avais dit au début de la thèse, c'est-à-dire la phrase introductive. Dégagez une autre phrase introductive. Déclassez tout ce par en effet, l'inspiration romanesque doit prendre en considération le domaine social. Pourquoi justement le domaine social? Parce que le roman qui devient engagé, il se soucie des problèmes de la société. Le roman qui prend en charge les questions sociales. Maintenant, vous déclenchez par l'idée. Ainsi, le romancier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend position. En faveur de qui? En faveur de la société, vous avez l'idée. Alors, le romancier, dans ce cas de figure, pour argumenter, est obligé d'écouter religieusement son peuple. Le romancier représente dans ce cas-ci les condamnés, c'est-à-dire les condamnés à mort. Il représente ce qu'on appelle les manquants, il représente les prostituées, il représente les personnes déléguées au second plan, autrement dit, la couche marginalisée.
Autrement dit, le romancier devient ce qu'on appelle le porte-parole de la société relégué au second plan. Qu'est-ce qui confirme ça? Nous avons le père de Léopoldine, le chef de file du mouvement romantique. Aujourd'hui, il n'est pas en poète, mais forcément, il est ce qu'on appelle un romancier. Dans son œuvre intitulée Les Misérables, Hugo, qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a dénoncé la peine de mort? Comment il a dénoncé l'humiliation faite aux femmes, l'humiliation faite aux enfants? Comment il a dénoncé la dignité de l'homme, ce qu'on appelle bafoué? Hugo dit dans la préface des Misérables, ou bien Hugo écrit dans la préface des Misérables, tant qu'il y aura une dimension du fait des lois, des problèmes sur la dignité humaine, la déchéance faite aux femmes, la déchéance faite à l'enfant, des livres comme Les Misérables pourront être utiles. Alors, dans ce cas, vous avez dégagé ce qu'on appelle le premier paragraphe de la thèse, de la mère du moins. Comme j'ai dit tantôt, vous n'avez pas le droit de vous arrêter là, l'élève est obligé d'aller à la ligne pour attaquer le deuxième paragraphe. Mais dans ce cas, comme j'ai dit au niveau de la thèse, il faut éviter la réflexion, autrement dit, le travail plus sur l'engagement social, parce que je l'ai déjà dégagé avec Victor Hugo, l'élève peut attaquer maintenant l'engagement politique. En outre, il peut arriver que le romancier prend position pour dénoncer la gestion qui semble être nébuleuse. Alors, ça c'est votre idée, c'est le cas des romanciers négro africains, plus précisément dans la période de la dissolution. Alors, les romanciers ont tenté de dénoncer la gestion africaine et les maux qui gâteraient le continent africain. Qui sont-ils? Nous avons la xénophobie, nous avons la dictature, nous avons le parti unique, nous avons les coups d'État, nous avons les corruptions, la corruption. Dans ce cas de figure, le romancier essaie d'apporter des solutions en période de crise, là où ce qu'on appelle sa société est reléguée au second plan, là où ce qu'on appelle les dirigeants africains sont en train de jouer avec le peuple, ils sont en train de jouer ce qu'on appelle la démocratie. C'est la raison pour laquelle il faut aller les chercher du côté d'Amadou Kourouma dans les soleils des indépendances. Alors le partisan du mouvement de la Libye, qu'est-ce qu'il fait en dénonçant la corruption, le coup d'État, le parti unique, la xénophobie, les mots qui gagneraient le continent, le partisan déclare. Toute mutation politique en Afrique s'accompagne inévitablement des justes et des sectes des hommes, parce que les griots, les marabouts, les maîtres des pouvoirs traditionnels sont tous des corrompus. Qu'est-ce qui confirme cela dans la période ce qu'on appelle de contestation? Mais cette fois-ci, ils ne dénoncent pas la gestion africaine, mais ils dénoncent les événements de la colonisation. Nous avons ce qu'on appelle Monsieur Ferdinand Oyono dans une ville de Boy qui dénonce un système colonial répressif. Maintenant, si vous terminez ce qu'on appelle cette partie-là, confirmé par la conclusion partielle, avant d'attaquer ce qu'on appelle la synthèse ou bien la conclusion, l'élève qu'est-ce qu'il dira? Bref, l'œuvre romanesque demeure engagée et vous avez votre thèse, vous avez votre audience. Donc, je suis obligé de m'arrêter là au fond ce qu'on appelle dans vos discours. Rendez-vous dans 15 jours dans notre chaîne YouTube. Je vous remercie de votre attention.